Déjà durement éprouvé par le décès du caporal-chef Rivière il y a de cela un mois, le 2e régiment d'infanterie de marine basé au Mans rend les honneurs militaires au caporal Cyril Loisil, décédé le 18 mai 2011 en Afghanistan. Accompagné par le chef d'état-major de l'armée de terre, le ministre de la Défense et des anciens combattants, M. Gérard Longuet, a voulu ce mercredi 25 mai 2011 rendre l'hommage de la République. Par soin consciencieux et appliqué, vous saviez que l'ambition est belle, mais que la vraie ambition n'est pas celle que l'on s'applique à soi, c'est celle que l'on emploie pour construire. Et construire était votre seule ambition. Vous portez là-bas le flambeau de l'espérance, celui de la paix pour un pays, pour une région tout entière. Vous portez l'espérance de leur avenir. À tous vos compagnons d'armes qui s'apprêtent à rentrer et à ceux qui leur succèdent, je veux dire que malgré les épreuves, malgré les douleurs indicibles, la mission qu'ils effectuent est juste. En présence de la famille du défunt et des marsouins restés en métropole, le ministre a fait chevalier de l'Ordre national du mérite le caporal Loisil. Dans l'Ordre national du mérite. Au-delà de ces murs, c'est toute une famille qui se resserre autour des siens. À l'image des nombreux messages de soutien d'un parent, d'un camarade, adressés aux proches du caporal Cyril Loisil, à ses compagnons blessés ainsi qu'à ses frères d'armes, dont le retour au pays n'a jamais été aussi proche.